Allez, on enchaîne donc deuxième vidéo, cette fois avec Cliff Barker Jericho. Un jeu qui était sorti, que j'avais découvert sur 360, que j'avais trouvé excellent. Et là, en fait, il tourne tout à fond. Alors, il n'est pas super récent, hein. Alors, c'est pas sur émulateur, hein, c'est sur PC, hein. Fascinant. Les peintures murales sont en sumérien, mais l'écriture est en araméen. Les premiers taggers? Ou des critiques d'art. Qu'est-ce que ça dit? C'est un jeu qui est très, très, très cradingue, hein. Alors je suis désolé si le son de la console vous flingue un peu les tympans. Je baisse un petit peu. Ouais, forcément. Là on a un QTE. Je vous dis, un jeu est cradingue, très cradingue. Mais excellent. Où est passée cette tempête? On s'en fout. C'est le tout début du jeu là. Dépassez la lumière du jour. Vous voici, mesdames, messieurs, dans la cité perdue d'Alcali. Tu sens quelque chose, Jones? Non, pas vraiment. C'est comme si tout était vide. J'allais dire mort. Paul, essaie de voir si on peut communiquer avec le commandement. Je veux des infos et savoir ce qui se passe. Il nous a... Jericho, à couvert! On ne bouge plus! Ici l'armée des États-Unis! Autour de nous, c'est peut-être des alliés. Ils ne s'arrêtent pas. Ross, tu ferais bien de regarder ça. Regardez quoi? Je ne crois pas que ce soit des humains. Permission de tirer? Refusé. Alors je joue comme une merde, je sais plus comment on joue, hein. En plus j'essaie de me concentrer pour pas trop bouger la console. Bien reçu. Par la grâce de Dieu. Merci bien. Cole, ça en est où cette communication? Nulle part, chef. J'ai tout essayé. À part nos radios, aucun signal ne passe. On devrait se tirer. C'est juste une distorsion temporelle. On a déjà vu ça. On continue comme prévu. Jones, prends Alpha et partez en reconnaissance. N'attaquez pas sans renfort. Rendez-vous ici dans une heure. Omega, on y va. Comment ça, comme prévu? On trouve le centre de commandement et on récupère les données de surveillance au moment de l'attaque. C'est pas ce que Lynch a fait ici, mais c'est pas de la rigolade. S'ouvre la brèche, je ne sais même pas ce qu'il risque d'en sortir. Je parle pas beaucoup parce que j'ai rien à dire. Comme c'est le début du jeu, il y a toute l'histoire qui se monte, forcément. Il me semblait qu'il y en avait derrière. Non mais oh! Quand vous avez un point de contrôle, ça vous recharge les munitions, les vies et tout ça. Mais je vous raconte pas la suite du jeu parce que après vous allez vous. Enfin, la musique est super cool.
Lui, il s'appelle le premier-né. Je crois qu'il veut qu'on le suive. Que personne ne s'éloigne. Ouais, je pense que je vous ai déjà assez montré le jeu. Hop. Allez, je vais arrêter la vidéo et je vais enchaîner sur un autre test. Enfin, une autre performance.